Bonjour à tous, c'est Tazgral pour la suite de nos aventures dans les tranchées. Donc c'est l'épisode 8 et nous devons continuer à aider à la guerre. Bon ça va, on n'est pas trop combattant, on est plutôt essayer de faire avancer les choses. Oh là 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 là. Je le sens pas facile celui-là. Ok, donc il me faut l'arc-clé pour pouvoir monter le truc. Qu'est-ce que t'as? Creuser un peu. Voilà, donc ça je sais qu'il faudra que je monte un truc. Tac tac tac. Forte chance que ce soit le chien que j'envoie chercher le truc. Ça peut peut-être me servir. Ça peut toujours servir. Ah si. Je ne pensais pas qu'on pouvait. Ok. Allez. Voilà. T'inquiète pas, je vais aller chercher le truc. Allez, oui. Oui. Voilà, fléchir. Alors, le fait de... couloir de mine comme ça en parallèle, les uns avancés dans un sens et l'autre de l'autre, c'est véridique, hein. C'est vraiment cette guerre de la mine et c'était assez épouvantable paraît-il. Bref, les joies de la Première Guerre mondiale. On avance, on pousse. Voilà. Merci, vieux frère. Les officiers français se glorifièrent des lourdes pertes infligées à l'ennemi. Émile, le cœur rempli d'amertume, refusa d'être décoré pour ce qu'il considérait être un acte de lâcheté. En revanche, Émile et Freddy étaient fiers d'avoir arraché le père d'Anna des griffes du baron Van Dorf. Ses recherches ne pourraient plus servir à construire des armes de guerre. Les bonnes nouvelles étant rares, chacun savourait ce précieux moment. Mais les nouvelles qu'apportait Anna n'étaient pas bonnes. Karl avait été tué en cherchant à s'échapper du camp de prisonniers. Non.
apprenant sa mort, Émile tomba gravement malade. Oh. Il est horrible, c'est le... Dépêche-toi. Faut faire vite. Oula, c'était chaud là. Dépêche-toi. Encore. Hop. J'ai pas tout trouvé. Rester trop longtemps. Je suis trop. Non. Pêche.
pas retourner là. Donc y'a pas l'autre qui m'a suivi. Voilà, hop. Regarde, ouais, c'est cool. Oulala, cours, 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 cours. Le truc là. Bon, on va attendre. Encore une fois, je vous trouve pas trop bête. Vous arrêtez pas. Arrêtez pas. Ils veulent les moutons. Voilà. Ouf. Rien. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouh la vache. Rien. Voilà. Lune. Beau croissant.
Ah non, c'est ça qu'il me faut. Pas mort. Ça me rassure un peu. 15 septembre 1916. La sanglante bataille de la Somme continuait. La bataille de la Somme. Au total, 206 000 Britanniques y perdraient la vie. Freddy fut désigné par les forces britanniques pour piloter une nouvelle arme de guerre. Une évolution majeure dans ce conflit qui s'enlisait. Mais le baron von Dorf comptait aussi sur cette bataille pour briller devant ses supérieurs. D'accord. Eh ben, c'est reparti. Allez, on fait cette mission et on arrêtera après. Ah, le fameux tank anglais. On va aller, on va regarder. Le Mark 1. Ah oui, c'était ça. Mais ils étaient pas super efficaces, ils ont fait très peur, mais... C'est gay tous ces chiffres. Allez, voilà. T'as raté lui. Il peut me faire mal. Il peut me faire très très mal. Il peut me faire très très mal. C'était pas encore des super types de chars. Hein. Voilà. Combien une caston de tir en jeu. Boah. Ils sont où. Ça va pas, ça va pas bien. Ça, maintenant. Ah bah il reste pas beaucoup de soldats britanniques avec moi. Go. Hey, fallait peut-être que je me dépêche. Sans ça des Rangers. Pardon. Alors. Grenade. Je réussis à... Ah, je vais réussir à me faire péter tout seul, ouais. Mais... Bon. Ça va pas être comme ça qu'il faut faire. Voilà. On va reprendre une petite...
grenade. Toujours est utile. Boum. Je vais reprendre mon tank. Il est bon à rien. Il est mort. Oh là là, ça devient... Oh, vite. Oh, je sens le boss. Voilà. Ah mince. Ouh, ça c'est un uppercut. Toutes ces batailles perdues, tous ces échecs poussèrent les généraux allemands à destituer le baron von Dorf de son commandement. Pour lui, un destin pire que la mort. Oula, on s'est fait un ennemi redoutable, je le sens. 18 janvier 1917. Émile, sentant ses forces décliner, demanda à Anna de rejoindre Saint-Mihiel pour obtenir des nouvelles de sa fille, mais aussi l'avertir de la mort de Karl. Anna prit la route sans tarder. Ok, donc j'avais dit que j'arrêtais là pour ce soir. Je vous dis à la prochaine pour continuer à vivre la première guerre mondiale qui avait lieu il y a 100 ans. À la prochaine, merci de nous regarder, n'hésitez pas à commenter, pouce vert, etc. Merci à tous, salut.